Et bienvenue les amis, bienvenue sur la caverne de Pouda, ici Panda pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed Valhalla. Ah, j'espère que vous allez bien, parce que moi je pète le feu, j'avais hâte de reprendre ma session. Qu'est-ce qu'on foutait ici? Bonne question. Qu'est-ce que je foutais là? Est-ce qu'il faut que je fasse des choses avec... Non. Il semblait qu'il y avait un mec qui était arrivé avec des caisses de bière. On va aller voir si c'est à lui qu'il faut que je discute. Ah, yeah. J'adorerais faire une partie, mais j'ai d'autres choses en tête. Ah oui, d'accord. Ok, il a ramené du ravitaillement. Oula. Je n'irai nulle part. Pas encore. Ok. S'il vous plaît, je... Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi tout. Ça me paraît pas couler de source, là. Hop, là, j'ai vu un truc. Qu'est-ce que... C'est de la bonne qualité. Oui, je travaille bien ici. Oula. Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'animus? Confortable? Plutôt stable après quelques temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu? Oui. Un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Cool. Attends, je fais un petit tour du propriétaire quand même. Ça te gêne si je mets de la musique? Non, vas-y. Cool. Mais vas-y, je suis en train de m'ambiancer, là. Oui, Leila. Sean, qu'est-ce que tu penses de la tombe là-dehors? Eh bien, elle bouleverse plusieurs siècles d'études à propos des premiers Européens à être venus en Amérique. En dehors de ça, ce n'est qu'un tas d'os avec de la boue, non? Et sinon, on peut parler de ce truc sur ma nuque? Ah, le stabilisateur émotionnel. Oui. C'est pas dangereux. Je veux dire, je me sens bien. Mais j'aimerais être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Normalement, non. Il ne fait que bloquer les signaux extérieurs. Il est passif. C'est pour que le bâton ne te perturbe pas. Sean, pour ce qui s'est passé l'an dernier, j'avais aucun contrôle sur lui. J'ai essayé de résister. Je comprends. Et ton ancienne équipe, peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de choses. Mais nous, si. Néanmoins, si tu veux travailler avec nous et découvrir pourquoi le monde est sur le point de disparaître pour la deuxième fois en 8 ans, tu devras garder ce machin tant qu'on te le demandera. Ordre de William. D'accord, d'accord. Pas de problème. Il n'y en a plus que pour quelques semaines. Le temps qu'on règle ça. T'as raison. Je sais que t'as raison. Sean n'a pas chômé. Rien n'y a été dérobé ou endommagé, il y a simplement eu un dépôt rapide. On a eu de la chance cette fois-là. Blablabla, sa nature, un fichier au bio. Nous avons creusé. Ok. Soit. Tu vas ranger ça au frigo, Sean? Bien sûr. D'ici 30 secondes. Rappelle-toi que les tomates vont pas au frigo. Les tomates vont pas au frigo?
J'ai un doute. Vous mettez les tomates au frigo? Moi, je les mets. Profitez de votre séjour. Rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes tous les jours. Ça, je risque pas de m'en souvenir. Sean, n'oublie pas d'arroser les plantes quand je serai là-dedans, d'accord? Je vais noter ça sur le calendrier et me le tatouer sur le mollet. Ça fera du bien de dormir dans un vrai lit quand tout ça sera fini. Ok, bon, j'ai plus qu'à parler avec Rebecca et je peux y retourner. Tu te sens bien? Mieux. Mais j'ai peur que ça recommence, les deux flux de données parallèles. Je peux rien te promettre. J'y comprends pas grand-chose non plus. C'était comme si deux esprits luttaient pour contrôler le même cerveau. Et autant te dire que ça faisait mal. Ah ouais, je vois. Il y a quelque chose dans cet échantillon d'ADN viking qui a l'air dense et bruyant. Est-ce que ce serait le bâton qui interfère? Comment ça? Mes migraines, mon humeur. Ça a commencé le jour où j'ai trouvé ce truc. J'espère que tu te cherches pas d'excuses pour, tu sais, ton ami. Non! Pas du tout. Pardon. Bon, mais vas-y doucement. Et si t'as l'impression de dériver, dis-le nous. J'essaie. Vraiment. Ok, impeccable. Bon bah, on y retourne. On va aller taper des têtes. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. De Norvège à l'Angleterre, une semaine, en drakkar. Ah, j'aurais vu ça plus long, en vrai. Oula. Neila, ça va? Désolée. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... C'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu. Je suis mort. Et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups. Trouve le fou. Trouve-moi. Et sauve-nous tous d'une autre mort. Le fou? C'est assez troublant. En effet. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Ah, enfin on retrouve notre cher Ivor. Ah, c'est vrai que j'avais enlevé le bouclier. Ouais, je suis stylé. Je sais pas ce que vous pensez du jeu, mais moi franchement j'aime bien la tournure qu'a pris Assassin's Creed. Autant j'ai aimé les premiers, hein, comme tout le monde. L'assassinat, la discrétion et tout ça, mais vu qu'ils ont plus orienté RPG depuis les 3-4 derniers chapitres, enfin les 3-4 derniers jeux vidéo, moi personnellement j'aime bien. J'aime beaucoup. Je serais encore plus de fouler un sol ferme. Ne débarquons pas à la hâte.
tout ce que tu vois est une terre saxonne. Le royaume de Mercy, en plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Randy, entrez les rames. Tout le monde debout. Tu as aperçu quelque chose? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Suite. Approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Et puissant vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt. Yeah, c'est parti. Oui. Et peu importe ce que ces fées aux doigts verts nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non. Mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Des quatre royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi, nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu Timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Eh, hey, bien au courant. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Ah, c'est chrétien. Nous sommes des idoles de nos dieux, et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin le Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau, voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Nous connaîtrons si mal les coutumes des chrétiens? Non! J'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours! Ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux, ornés de joyaux. Tout cela vaut une portée. Plus tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Yeah! On est prêt pour les attaques. Pour rejoindre la colonie de Halfdan. Arrêtez les navires, nous allons accoster là. Pour nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne? Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce cas. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Bah alors ? C'est bon ? Je peux y aller ? Qu'est-ce qu'il prend ? Merci. Oh, le bug. Ok. C'est l'heure du piaf. Inspecte les alentours, Sinin. On voit un là, j'en vois un là-bas. On voit au moins 3-4. La chaîne sera là-bas. Ok. Ça me va. Est-ce que ça se fait ou... Je suis trop... Ah si, ça se fait. Chouni. Qu'est-ce qu'on ramasse là-dessus? Un bec de héros. C'est un héron, pas un héros. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Je dois redoubler de prudence par ici. Ok, c'est parti. Tiens. Ninja?
Ils sont nombreux là, mon fou. Alors, voyons voir comment on va négocier ça. Je pourrais directement aller faire la chaîne, mais j'ai comme une envie de leur casser la gueule. Il y en a un dedans là-bas. Hit, il m'a vu. Sérieux? Il va venir ou pas? Non, il vient pas. Il peut se barrer. Ok, bien. Yeah. Bienvenue en Angleterre. Il me tourne le dos, lui, ou... Non, il me fait ça, moi. Est-ce que je peux l'amener jusqu'ici? Oula, non, calme-toi, voilà, couché. Oui, il va le voir là. Non, c'était le vent. T'inquiète. Voilà. Une danoise? Ils m'ont vu? Sérieux? Bah non, ils m'ont pas vu. Oh, j'ai plus peur. Ils me tournent le dos, oui ou pas? J'ai un doute. Attends, je vais faire le tour. La fichée. Oups. Ok. Bon bah pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Ouf. Allez, c'est vrai. Faut que je fasse gaffe à mon endurance. Ok, ça c'est bon, c'est un dé pour toi. Aïe aïe aïe. Ouh. Bah, tu veux pas te battre? Ah, il se doutait que ça pue un peu du cul pour lui, je pense. Il est où le dernier? C'est bon, je te vois. J'arrive, mon lapin. Attends, merde. Je pensais que j'allais grimper. Attends-moi. Nul n'échappe à ton sort. Allez. La zone est à moi. Ok, on a plié. Ah, il en reste un. Ah, pardon, excuse-moi. Ok, on court de flèche. Pouk, pleine tête. Allez, des bisous. C'est important. Il est où le cadavre? Il est là. Cette chaîne est énorme et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. Obstacle de chaîne fluviale. Au terme de plusieurs essais, nous avons découvert que ces chaînes pourront tenir face aux plus robustes navires danois tant que les mécanismes demeureront intacts. Plusieurs autres obstacles seront construits au cours des mois à venir et seront installés sur les cours d'eau menant vers l'intérieur des terres. Ah, d'accord. Il s'agit de notre meilleur moyen de défense contre d'autres incursions. Il est impératif que ces obstacles soient entretenus en permanence. Tout défaut de fonctionnement devra être reporté sur le champ.
Ah bah là, c'est pas un défaut de fonctionnement, là. C'est... T'as pas mis assez de mecs pour... T'as pas mis assez de mecs pour m'empêcher de venir casser la chaîne, quoi. Tout ça, ça se prend. Tout ça, ça se prend. Comment qu'on fait? Oh, tu... Allons voir ça. C'est pas au-dessus. Ah oui, tant que je suis là. Alors, déjà, compétences. Partons sur... Empoisonnement. Ah, ça, j'aime bien. Mais je préfère les flammes. Je sais pas s'ils ont, j'espère qu'il y aura. Prendre la voie du loup. Hein. Résistance à flèche à distance, ok, ça me va. Tant que je suis là, hop, inventaire, tu as un nouveau truc? Non. Je voudrais mettre la musique un peu plus forte. J'ai remarqué dans mes autres vidéos que l'audio n'est pas assez fort. Eh, pourtant je suis à fond hein. Pourtant je suis à fond. Oh bah autant pour moi. Hein. Je pensais que j'y étais pas. Bon, c'est pas grave. Comment qu'on... En douter, tiens. Et voilà. Voilà. La voie est libre. Attendez-moi. Oh, ouais, j'arrive, j'arrive. Ils sauront bientôt. S'il n'y a pas d'autres surprises. Facile. Retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai faim. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse retirer quelque chose. Si Alfdan, Ube et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, oh, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, pas d'ag. Et d'autant plus facile à sourire. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. C'est magnifique le paysage derrière. Chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des décombres et des cendres. Il n'y a pas su une photo. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez-là. Juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver? Non. Allons voir ça de plus près. Ça sent pas bon. Grand Bridgesir. Ouais, vous avez le droit de rigoler de mon accent. Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vêtus. Nous devrions continuer à pied. Ils ne voient pas nos navires. Je vais y aller. Ouais, ils ont du mal à pas le voir. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Vous êtes louches, les gars. Je sais pas qui c'est. Ils ont un accent curieux. Anglais. Hey,
Dag, Eivor, sur moi. Comment ça, sur toi? Oh, c'est bon, t'as déjà une femme. Je suis con. Misère. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières? Voilà. Quel est ton nom? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Et vous êtes? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler? Je viens de passer 8 jours en mer, sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. Oh ! C'est parti, on échoue. Je vais t'achever. C'est comme à la maison. Oh putain, il m'en a mis une. Ok. Ah, raté. Oups. Ouh, je t'ai pas vu toi. Ouais, vous êtes un peu nombreux ici quand même. Petit soin, ça fera pas de mal. Ah. Ah, c'est déloyal. Ok, esquive. Esquive. Ok, toi tu dégages. Toi, la même. Dégagez de là, c'est pas chez vous. Enfin, théoriquement, si, mais le campement est pas à vous. Hop, tout de suite bas. Ah, tu restes là, Léon. Pas mal. Ouh. Ok, c'est bon. Que le diable t'en fasse. Ah, ça touche. C'est bon ça. Restez en éveil. Ok. C'est bon ? Y'a plus personne ? Jetez un œil aux alentours, vous tous. Je ne veux plus de surprises. D'accord. Je vais examiner la maison longue. Ok, direction la maison longue. Il y a des trucs à piquer dans ce secteur-là. Je crois qu'il n'y a plus personne. Les vivants. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Oui. Chérie? Plus personne. Un sommeil de mort. Ils sont mignons. Ils font la guerre en couple. C'est mignon. Adorable. Ok, rien d'intéressant par ici. Ubisoft. S'il vous plaît. Pas étonnant qu'il se soit battu comme de la carmille. Elle touche même pas le sol. Ah non, mais c'est sérieux. Ah, à chaque épisode, je vois un bug, c'est toujours drôle. J'aime bien. Ah, Ubisoft sans ses bugs, ça serait plus Ubisoft. La maison longue ? Ah oui, d'accord. Faut que je me refasse une ration. Ok, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Adorable. Ah, j'aime les chiens. Oh oui, il se met en boule. Ah. Il ressemble un peu à Maxwell quand même. Oh, c'est adorable. Trop mignon. Ah, m'en fous peu, moi. Allez, direction la maison longue. Allez. Laisse-moi deviner, c'est fermé.
ouais, ça passe en haut. Ok, ok, faut monter. La mauvaise nourriture fait de mauvais combattants. C'est pas vous. Oh bah alors, les gars! Oh bah alors! Quoique, c'est peut-être pas des ennemis, hein. Attends! Ouf! Qui es-tu? Tu fais partie de ces brigands? Sigurd! Dag! Par ici! Ils avaient des prisonniers. Toi là! Détache-nous! Laisse-nous partir et on ne te fera rien! Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça! Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous? Yanli. Je suis une marchande. Pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie. Je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite, comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Havdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache. Vous connaissez les fils de Ragnar? Oui. Je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais... ce ne sera pas facile. Chaque bourré village a besoin d'une écurie. Pour prendre soin des chevaux, je trouverai bien du travail quelque part. Une idée, peut-être? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Farnberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir. Mais je vous invite à rester, si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Wouh ! Excellent. Étranger, puis ami, puis frère. Les autres sont arrivés, venez. Yeah, c'est parti. Faisons comme chez nous. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés parents et amis, bienvenue dans votre nouveau foyer. Oh yeah! Stylé! Beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Grave. Viens avec moi.
Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses quatre royaumes. La Mercie, l'Est Anglie, la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercie, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous ? Ici, dans ce bosquet dépourvu de noms. Pas de nom, dis-tu ? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu ? J'ai peut-être une idée. Ravenstorp, le village des grands corbeaux. Ça me plaît. La poétesse qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part ? Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé, le pillage commence déjà. Ah, ben on est des vikings. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Ravenstorp, j'aime bien. Beau travail, ma douce. Et qu'as-tu trouvé d'autre ? Surtout des notes, des morceaux de plans, de vieilles lettres, quelques messages de pierres runiques. Il a fallu du temps pour déchiffrer tout cela et reconstituer l'ensemble. Ben c'est confort. C'est pas mal ce qu'on a fait là. Je me suis même plutôt carrément stylé. Parce que... Rah. On peut pas s'asseoir correctement. Dommage. Ok, faut que je trouve Gunnar. L'endroit n'est pas mauvais, Eivor. Pas mauvais du tout. Est-ce que je peux t'aider ? Sigurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible. Pour cela, nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Non, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici, pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que j'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de hutte de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands savent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte. Et fais-en un meilleur usage qu'eux. T'inquiète. Monastère d'Alsace. Ok. Elle est grande comment la map ? Quand même. Ok, ok. Et ben on va commencer peut-être par avoir un point de vue plus élevé de la situation. Comment on l'appelle déjà le poney ? Ouais, comme ça. Yeah. Allez, yeah. Il est temps de débloquer les points de synchronisation. Par contre... pas mal ça.
petit point d'eau avec une cascade. Ouais. Franchement sympa. Ah, on est confort, hein. C'est bien installé là. Nickel. Alors, par ici, à droite. Ça va passer là. Ou est-ce que je suis trop optimiste? Ou pas mal. Ok. Là. Hop, ok. Ça m'a l'air grave important. Allez, petit poney, vas-y. Oh, il y a des renards. Chanterelle. Mmh. Orbe sacré. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Orbe sacré? Ça me paraît louche. Oh. Wow. Oh la vache. Ah, vous déconnez pas Ubisoft hein, quand vous faites les graphismes. Pourtant, il y a des fois où vous nous sortez des bugs improbables, mais là... par là... Qu'est-ce que c'est ça? Message de vagabond. La semaine dernière, tout n'était que rire, chant, feu et senteur de cochons de l'aigrier. Quelques jours plus tard, il ne reste que le trottinement des lapins, le croissement des corbeaux qui mangent les restes. Je ne vois plus que des fumées éparses et quelques braises. L'armée des fils de Ragnar est partie. Beaucoup ne verraient ici qu'un lieu abandonné, laissé en ruine. Mais pour un forgeron, ce paysage désolé abrite des trésors. Je vais rassembler les outils et les armes laissées ici et les apporter à Père. Nous vendrons ce qui peut l'être et ferons fondre le reste. Je vais les Danois pour ce qu'ils prennent, mais je les aime pour ce qu'ils laissent. Ok. Bien, bien, bien. En face. Pas trop nul. Voyons voir tout droit. Ouais, c'est pas un monastère. Hein. Le monastère est à gauche. Qu'est-ce que c'est ça? Ce qui serait bien, c'est de faire ça avant de descendre sur le monastère d'Alceste. Ça me semble être la meilleure option. Youhou! Youhou, poney. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, merci. Allez, viens, allez, viens. Ok, c'est par là qu'il faut aller. Non, là, tu veux pas descendre. Là, mais je comprends. Hein. Non, là non plus. C'est trop haut. Non, je suis pas payé pour ces conneries. Allez. Ah, graphiquement, ça déconne zéro. J'adore les couleurs aussi. Mais. Allez, mon gars. Courage. Oh. Attends.
Attends-moi ici, j'arrive. Ok. C'est reparti. Ouh. J'ai peut-être pété une dent. Sur le rocher, en fait ça. Ah la la. Là, mais partout. Ouais, le monastère est là et moi il faut que je tourne à droite. Alors, est-ce que le poney passe la flotte? C'est la question. Le poney passe pas la flotte. Bon, c'est pas grave. Après avoir passé une semaine en mer, j'avais bien besoin de ça, hein. Ok, je le vois. Venonis. C'est... Fallait que je prenne le commandement du navire. Ah. Excusez-moi, je suis déjà partie en exploration. Par contre, il y a un templar, là. Je le sens pas, ça. Est-ce que c'est comme les mercenaires dans Odyssée? C'est bizarre. Mais j'ai pas eu de didacte sur ce truc là. J'aurais bien voulu. Barré. J'ai rien avec plusieurs. Sois mes yeux, Nine. J'arrive pas à savoir ce que c'est que ce truc. Oula. On m'attaquera à vue par ici. Déjà, vu le drapeau, j'ai l'impression que c'est pas dessin. Putain, je suis plus très loin de là où il faut que j'aille. Est-ce que je peux l'agresser par au-dessus là? Oh. Je vois un loup mort. Est-ce qu'il est passé le temps là? Guide-moi, Sinin. Ok, je vois ça. Oh! Oh l'erreur! Bon bah sur le chemin de retour, faudra que je monte là-haut. Ok. Hi-ha! Pouk! Ouais bah vivement que je chope la compétence de... Vas-y, je meurs pas quand je saute. Il y a un petit bignou qui brille pas loin. Là-bas, je vois un cheval. C'est étrangement désert, mis à part le... Mis à part le chevalier que j'ai trouvé là au milieu. Ok, c'est là-haut qu'il faut que j'aille, je pense. C'est en dessous, genre je passe pas par là quoi. Je passe pas là non plus. Oh misère. Qu'est-ce que c'est ça?
On se casse pas. Oh, on aurait dit. C'est par où l'entrée, s'il vous plaît? Cherche l'entrée. Je cherche à récupérer le bignou magique. D'accord que par là ça passe pas non plus. Là c'est de la douche bien. Oh misère. Oh, j'ai pas accès là. J'ai pas un peu de ma gueule. Sûr que c'est ça hein. Des flèches explosent ou quelque chose. Et c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Okay. Ah ! Trouvé ! Ouf, pas mal. Ouf, comme quoi il y a des fois, il faut juste prendre de la hauteur. Pas mal. Non. Lâche. Lâche. Merci. Ok. Impec. Un petit lingot, ça fait plaisir. Faut remonter pour aller prendre le point de synchronisation. J'ai pas revu le... J'ai pas revu le chevalier entre temps. Hop. Et il est là-haut. Ok, sur la statue. Spéciale dédicace à ceux qui ont vertige. Hop là. C'est bon. Oh, déploie tes ailes, Simine. Sur qui c'est? Oh, c'est des Saxons. Attends, j'arrive. Je vais me faire un petit plaisir. Ouh. Salut ma biche. Je suis là. La maison de la vie. Je dirais que c'était peut-être pas une bonne idée. Allez. Je crois qu'ils étaient trois, je vois qu'il y en a un qui s'est barré. Aïe. Oh, faisons tomber cette crevée. Ah, j'avais esquivé pourtant. Ok, pas mal. J'ai l'impression qu'il s'est barré. Ok. Alors moi j'étais partie pour aller chercher la rune. J'ai vu une rune. Si je pouvais aussi faire de la provision sur le chemin, parce que j'ai dû claquer mon sang. Rentraîne. Merci.
Ah ouais. Ouh, ambiance. Un flot. Tu veux pas monter? Bah quand même. Ok. On vient de l'espace, hein. Oula, attends. Je porte de la fourrure. Je passerai pas dans le feu. Je suis pas débile. Ok. Ah, c'est bon ça. Ah bah. Empalement au harpon. J'aime bien le concept déjà. Alors attends, avant toute chose. Plus de dégâts, ça me va. Lorsqu'un ennemi tombe au sol, appuie sur R3 pour lui piétiner le visage. Ça me paraît être indispensable. T'as la panoplie du viking, et bah y'a ça. Voilà, c'est tout. On garde. Empaler un ennemi à l'aide du harpon est projeté dans n'importe quelle direction à l'aide de L. Les ennemis heurtant des objets ou d'autres ennemis subissent d'importants dégâts. Ça me paraît être une excellente idée. Bien, bien, bien. Excellent. Ça me va. Ah, lâche. Ok, ça c'est à moi. Et je viens de par là. Okay. Eh ben ça valait complètement le coup. Ok, c'est bon, on est dehors. Là, je vois qu'il y a là-bas une armure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Va, ma fille. Oh, par contre, je vois aussi qu'il y a le truc du chevalier là. Enfin, du templier. Oula, oula! Est-ce que ça serait en dessous? J'ai l'impression que c'est dessous. Hein. T'as de la veine, toi? Oula. J'ai entendu une corne de brume. Ce qui n'est pas fait pour me faire. Ah. Oula. Oh. 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 Ah oui. Ouais, non, c'est pas une bonne idée, j'ai l'impression. Barrons-nous. Puissance 90. Effectivement, ça me paraît être une mauvaise idée. À moins que tu veuilles monter et tenter des choses, mais... Toi qui vois, hein. Et tu montes, hein. Ah, tu montes plus. Non, c'est pas une bonne idée. Il y a des fois, faut savoir revenir plus tard, comme on dit. Surtout dans ce genre de jeu. T'es là-dedans qu'il faut venir ? Cet endroit est très bien gardé. Alors attends, on va voir ça. Oh, toi t'as eu une mauvaise journée, toi. L'autre côté doit être barricadé. Uh-huh.
Alors, ce que vous entendez à l'arrière, en arrière-son, c'est mon chien en train de boire. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pas Audacity qui déconne. Ben oui, mon toutou. Ben oui, tu fais du bruit. Tu sabotes ma vidéo, c'est malin. Oula, oh merde. Oh, il est là, lui. Hop. Barricadé de l'autre côté. Est-ce qu'il y a moyen au moins de rentrer quelque part? Pas par là, j'ai l'impression. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit par là qu'il faut que j'aille. Je voulais bien savoir ce que c'était ça. Et je sais pas par où passer. Et avec le Templier qui m'attend juste en dessous là, on va dire que j'ai pas vraiment l'occasion de bien fouiller. Une ouverture en dessus. Ah, attends. Non, c'est pas une ouverture. Miséricorde. Ah, je me sens volé. On m'a promis un loot là et j'ai pas accès à ce loot. Je me sens complètement volé. Attends. Qu'est-ce que ceci? Ah non, passe pas ici non plus. Misère. On m'avait promis un loot. Bah comme on dit hein. Reviens plus tard quand t'auras plus de matos sur toi. Allez, on repart. Où est-ce qu'on va aller? À moins que... Ouais. À moins que ce soit ça qu'il faut que je prenne. Ah, tant pis. Fallait que j'aille prendre le bateau. Bah, ça tombe bien. Hein. Bon, on a trouvé une rune, on a pris 2 points de synchronisation. Je pense qu'on peut se permettre d'aller se faire un petit monastère. C'est moi, je sais, vous m'attendez. Je suis parti en promenade. Ok, ça me paraît assez l'oreille et écoutez. Pour le bien du clan, l'heure est celle des Vikings. Aujourd'hui, nous pillons pour que demain nous puissions bâtir. Enfin! Nous allons écraser ces monastères chrétiens comme autant de coquilles d'œufs. Les 500 chrétiens, nous sommes là, Dag. Leurs monastères seront bien gardés. Bah, je parie qu'ils n'auront que des prêtres et des prières à nous opposer. C'est en droite ou gauche? Je crois que c'est droite, hein. Ouais, ancestre, c'est droite. Ok, c'est parti. Et on y va en chantant. Bah oui. Nous, la discrétion, on connaît pas, vous savez. Est-ce qu'il faudrait qu'on s'arrête devant, là? Ouais, ça me semble pas trop mal. On reprendra plus tard. Comme dans la série, la première chose qu'on attaque, un monastère. Allez, gonzesse, c'est parti. Merci, on a besoin de son. Je suis prêt.
quand tu veux. Vous ne me méfiez, ça va. Prenez l'arme, Chris. Et brûlez. Ouh, ça touche. Itch. Raté. Essayez de faire nourrir les asticots. Avant j'étais un aventurier, puis je me suis pris une flèche en genou. Adrénaline au maximum. Ah! D'accord, d'accord. Salut les gonzesses! T'as un truc à compenser, garçon! Non, je l'ai vu arriver pour toi. Sûrement. Pas mes mecs. Yeah. Tu connais le Valhalla? On va te l'apprendre. Hey, hey. T'es qui? Ouais, barre-toi, vaut mieux. Il reste des gens ou pas? Ouh là là là, ça sent bon ça. J'ai besoin d'aide ici. Il m'a fait tout ça. Rien n'empêche d'en rapporter davantage. Rien n'empêche d'en rapporter davantage. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est bon. Il y a eu une route. Ah oui, ils sont toujours en train de se battre dehors. Oh, ça se passe bien. J'arrive, j'arrive, hein. Je suis occupé. Hein. Hop, ça c'est à moi. Il n'y a pas de raison. Pickpocketing. Salut les gonzesses. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Ouh. Oulala. J'avais plus d'endus. J'ai pas pu esquiver. Ah, quel con. Et juste avant, j'ai dit salut les gonzesses, hein, en plus. Histoire d'avoir bien la honte. Ah, misère. Ah, c'est tendu, mais c'est endurance. Je me suis fait bait par l'endurance. Oh là là. Emploi de deux armes, soyez créatifs. Ah là, je me suis, hein. T'as vu ça, toi? Misère. Ce sont des choses qui arrivent. Bah normalement je reprends sur le bateau, c'est ça? T'es une de moine, là-bas! Allez, c'est pourri. Allons, Pierre! Allez, on est bon. Ça m'embête. Gardez-vous. Ok, c'est bon, ça va. Non. Oh putain.
putain, par contre, on y a plus. Mon sacrifice ne sera pas varié. Oh, mais ça va. Voyons. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Plein cœur. Je vais vous montrer la double face de Brick. Oui, j'en ai vu un d'arbre. Oui. DB. Mangeons des framboises. Tant les boules. Vous allez vous en sortir, hein? Ça! Oh, obligé de tout faire. Adrien, le maximum. Hop. Il y avait plein de gens tout à l'heure. Ils sont où? Ah! Trop bien. Ah! C'est bizarre. Honteux. C'est honteux! Je crois que vous avez senti ou bien joué mec. De la santé. Ah genre il était pas mort avant. Oh joli. Par contre ouais là il y a un beau kill. Déjà, on reprend ce qui nous est dû. Quelqu'un peut m'aider? On a tout ce dont Gunnar a besoin. Rien n'empêche d'en rapporter davantage. Ah bah bien sûr. On va pas s'arrêter à ça. Hein. On va tout prendre. On va tout rassembler. Mais il y a des mecs là-bas. Soignez qui? Ah, ça m'a gavé. Forcez l'ouverture. Ouh, ça doit être les prêtres. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans? Non, vous n'oubliez pas les mots, pas. Ils sont fait défoncer dehors. Ouh. Ouais. Ouh, ça me plaît. C'est bon ça, saccage. En plus j'ai gagné un trophée. Enfin, comme quoi j'ai tout gagné. Ah c'est bon j'ai tout. Ah pec.
c'est la victoire. Et on les porte. Et ben voilà, nickel, ça s'est bien passé. On peut dire que c'est chez nous, ça aussi. En fait, le cadavre du chef t'a rajouté. Et ben impeccable. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que c'est pas mal. Avec un petit pillage dans les règles de l'art. Ben, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Pour avoir la suite de l'histoire. J'ai hâte de voir la suite. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai réussi à pas me faire spoiler jusque là, donc je suis bien contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine sur la caverne de Pouda. C'était Panda. Ciao les amis.